absolument 19h. Vous êtes bien sur la chaîne de Maurice Douda. C'est Magie Jazzy et c'est maintenant. Merci à toutes et à tous pour vos retours sur ce Magie Jazzy VIP de la semaine dernière, ce moment avec Stéphane Schoenbier qui a été tout simplement extraordinaire. Voilà, on a passé vraiment un très très bon moment à tourner cette vidéo. On vous remercie et surtout on vous donne rendez-vous au 28 mars, ça on va en parler après. Ce soir, un auteur et un livre que vous connaissez, John Carey et Minimalistica. Je sais que certains vont dire, mais tu n'arrêtes pas de puiser dans ce livre, mais c'est effectivement une mine d'or, donc je vous invite à l'acquérir chez CC Magique. N'hésitez pas, vous verrez, c'est vraiment un très très bon bouquin. Pour les jeux de cartes, CC Magique aussi. Ce tour s'appelle Hommage à Vernon. Pourquoi Hommage à Vernon? Eh bien tout simplement parce que c'est la version de John Carey, la version du tour de Vernon 213, que vous pouvez retrouver pour ceux qui auraient l'ouvrage, tout simplement dans Vernon Chronicles volume 1. Le tour n'est pas forcément techniquement très compliqué, par contre l'effet est très très fort sur les spectateurs. Donc, Hommage à Vernon dans Minimalistica de John Carey chez CC Magique, je vous mets les liens dans la description. Au niveau de l'actu, eh bien c'est évidemment le 28 mars, ça approche, c'est dans 15 jours, et 40 ans du camp. En conférence, vous le savez, Stéphane Schoenbier, Vincent Hédan, et le soir, le spectacle Tricheur, mon spectacle. Donc je vous invite à prendre vos places, n'hésitez pas à venir, le seul virus que vous pourrez attraper, c'est celui-là de la magie, alors venez nombreux, vous verrez, on passera un très très bon moment. Je vous laisse donc avec Hommage à Vernon, je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon samedi soir, un très bon visionnage, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Bonsoir Emma. Bonsoir. Ça va? Oui. Bon. Un jeu de cartes, d'accord? Un jeu de cartes, et puis j'ai sorti trois cartes un peu spéciales, enfin pas spéciales, mais l'As, le 2 et le 3 de pique. Tu vas devoir faire un choix tout à l'heure et tu verras que les choix parfois entraînent des conséquences, mais ça, on le verra après. D'abord, tu prends une carte, s'il te plaît, et tu la montres à la caméra. Ok, c'est bon. Parfait, tu la retiens bien. D'accord. Et on la perd dans le jeu. Voilà, comme ceci. D'accord. Je mélange. Très bien. On peut couper. Et ce qui est important, c'est que normalement, ta carte n'est pas dessus, c'est bon? Parfait. Je retourne les trois cartes. Je choisis une carte, n'importe laquelle. Celle-là. Est-ce que tu te souviens de laquelle tu sais? L'As de pique. L'As de pique, exactement, tout à fait. T'aurais pu prendre le 2, t'es d'accord avec moi? T'aurais pu aussi choisir le 3. T'as choisi l'As, regarde bien. L'As entre le 2 et le 3. On va simplement retourner le jeu de cartes comme ceci. Regarde bien, il y a une carte qui se retourne. C'est ta carte, eh oui. Mais ce qui est avantageux, enfin ce qui est intéressant, comme tu as choisi l'As de pique, regarde bien, on prend l'As de pique, on le dépose ici, et normalement, on a une carte qui se retourne, c'est pile l'As de pique. Donc si maintenant ici on a l'As de pique, forcément là, on peut avoir qu'une seule carte, et c'est évidemment la tienne, le valet de carreau, c'est bien ça? Oui. Merci beaucoup Emma, et bonne soirée.